Seigneur, dispose mon âme. Dispose-moi, Seigneur. Je veux boire ton sang. Je veux manger ta chair. Seigneur, je veux m'approcher de ta table sainte. Seigneur Jésus, rends-moi digne. Seigneur, rends-moi digne. Seigneur, rends-moi digne. Seigneur Jésus, rends-moi digne. Seigneur Jésus, rends-moi digne. Rends-moi digne de m'approcher de toi. Seigneur, rends-moi digne. Seigneur, rends-moi digne. Nettoie-moi. Nettoie-moi, Seigneur Jésus. Nettoie-moi. Seigneur, nettoie ma robe. Seigneur, je ne veux pas prendre ce repas sous une condamnation. Je ne veux pas prendre ce repas sous la malédiction. Mais je veux que cela soit une bénédiction pour mon âme. Je veux que cela soit une bénédiction pour mon âme. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, par ce repas, je t'invite à travailler encore dans ma vie. Seigneur, par ce repas, je veux que tu opères de nouvelles choses dans ma vie. Par ce repas, je veux que tu m'amènes à une autre dimension, Seigneur. À une autre dimension d'intimité avec toi. Je veux que tu m'amènes encore dans le profond avec toi. Seigneur, par ce repas, je veux que mes dons soient activés. Seigneur, par ce repas, je veux expérimenter de nouvelles choses avec toi. Par ce repas, Seigneur, je veux m'enflammer encore dans l'adoration. Par ce repas, je veux m'enflammer encore dans la prière, dans la vie de consécration. Par ce repas, je veux, Seigneur, que tout ce qui était éteint en moi soit rallumé. Le feu qui était éteint en moi soit rallumé. Le feu de la prière, le feu de l'évangile, le feu, feu de l'adoration s'enflamme à nouveau en moi. Par ce repas, Seigneur, je veux voir des dons que je n'ai jamais expérimenté s'activer dans ma vie. Seigneur, par ce repas, accomplis de nouvelles choses dans ma vie. Par ce repas, Seigneur, que ma robe de sainteté brille. Que ma robe de sainteté brille devant toi. Que ma robe de sainteté brille. Par ce repas, je veux expérimenter de nouvelles choses. Je veux admirer ta gloire. Il y a longtemps, Seigneur, que mon âme a soif de toi. Seigneur, il y a longtemps que mon âme a soif de toi. Par ce repas, Seigneur, je veux que ma soif soit étanchée. Que mon âme soit soulagée. Que mon âme soit restaurée. Comme une biche cherche de l'eau dans un torrent. Mon âme cherche. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Et je veux boire ton sang pour que mon âme vive. Que mon âme vive. Que mon âme vive. Que mon âme vive. Dès que je boirai ton sang et je mangerai ta chair,
Seigneur, que tu actives tous les portes que tu m'as préparées, que tu m'as réservées pour te servir. Que cet don soit activé. Que cet don soit activé. Oh Seigneur, par ce repas, Seigneur, que tu guérisses. Seigneur, par ce repas que je prendrai, que tu me guérisses, Seigneur. Que tu me guérisses. Par ce repas, Seigneur, que tu ouvres mes entrailles. Que tu ouvres mes entrailles. Que tu ouvres mes entrailles. Par ce repas, Seigneur, c'est tout ce que je ne pouvais pas faire, que tout soit poussé. Par ce repas, Seigneur, que tu actives même mon projet de mariage. Par ce repas, Seigneur, que tu actives mon enfantement, que mes entrailles s'éclatent, que mes entrailles s'ouvrent. Que la porte de mes entrailles s'ouvre. Oui. Par ce repas, tout ce qui est maladie dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, reçoit la guérison. Par ce repas, Seigneur, je veux t'aimer encore plus. Je vais t'aimer encore. Par ce repas, Seigneur, je vais être encore fou de toi. Seigneur, je vais être encore fou de toi. Oh Seigneur, que ton amour augmente en moi. Que ton amour augmente en moi. Par ce repas. Que ton amour, Seigneur, abonde dans mon cœur, Seigneur. L'amour pour les sangs abonde dans mon cœur. L'amour pour les sangs abonde encore en moi, Seigneur Jésus. Parce que les fois, Seigneur mon Dieu, que l'amour abonde dans mon cœur, Seigneur. Merci, Seigneur. Les serviteurs viennent, on va prier. Au moment où les chantres sont en train de nous donner un cantique pour accompagner les certains étiers. Descends maintenant. Pour transformer ce repas en ton sang. Tu rassembles ce père.
ta chair. Et que faire? Que l'onction de guérison descend dedans. L'onction des dons spirituels descend dedans. Que la puissance de guérison descend dedans. Que la puissance de l'enfantement descend dedans. Que la puissance du ministère descend dedans. Et que tout ton peuple qui sera à ce repas reçoit la vie en elle. Reçoit la guérison en elle. Reçoit la restauration en elle. Reçoit la délivrance en elle. Reçoit la lumière en elle. Reçoit la vie de sainteté en elle. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. De la guérison descende sur moi. Seigneur, que l'onction de la restauration descende sur moi. Seigneur, les dons qui étaient morts en moi, réveille-les ce soir. Réveille-les ce soir. Les dons que tu m'avais donnés, qui sommeillaient, qui étaient éteints. Seigneur, ta parole déclare que tu es la résurrection et la vie. Que ces dons soient ressuscités. Que ces dons soient ressuscités. Que ces dons soient ressuscités. Tu veux que je sorte évangéliser pour toi? J'ai besoin d'un don de guérison. Seigneur, où est-moi? Seigneur, où est-moi? Un don de guérison, un don de miracle, un don de prodige. Seigneur, Seigneur, je veux le don de parler en langue pour communiquer en esprit avec toi. Seigneur Jésus, ouvre le ciel ce soir. Ouvre le ciel ce soir. Fais couler le temps de parler à l'âme. 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 Seigneur, ton peuple a soif de toi. Ce soir, tu ouvres le ciel. Tu ouvres le ciel. Tu ouvres le ciel.
le don de parler à l'âme. Tes enfants, Seigneur Jésus, ont soif de ce don. Seigneur, tu répands en abondance les dons de ton esprit ce soir. Seigneur, tu répands, 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 Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, visite ton peuple maintenant. Visite, visite, visite. C'est le moment de grande visitation. C'est le moment de grande visitation. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit visite. 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 Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Il te visite. Il te visite. Il te visite. Visitation. 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 Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit visite son église. Il te visite. Il te visite. Il te visite. Visite, visite. Levez-vous, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Le Saint-Esprit a rendez-vous avec toi. Le Saint-Esprit a rendez-vous avec toi. Le Saint-Esprit a rendez-vous avec toi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, c'est le moment de la restauration de ton église. Regarde, visitation terrible, visitation terrible. Regarde, elle ne pouvait pas imaginer. Mais regarde ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Regarde, regarde, regarde. La visitation est forte. La visitation est forte. La visitation est forte. La visitation est forte. La visitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il rend possible toutes les impossibilités. Il rend possible toutes les impossibilités. Il rend capable toute ton incapacité. Toute ton incapacité. Regarde, regarde, regarde. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Visite, 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 visite. Visite, visite, visite. Visite, visite. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Il te visite. Il te visite. 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 Le Saint-Esprit te visite. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il te visite. 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 Oui. Seigneur, tu m'as dit. Il est le directeur de l'église. Tu le traînes maintenant devant ton peuple. Tu l'amènes devant ton peuple. Tu l'amènes devant ton peuple. Par ta puissance. Tu le saisis. Et tu le traînes devant ton église. Tu le saisis. Tu l'amènes devant ton église. Tu le saisis. Tu le saisis. Et tu l'amènes, tu l'amènes, tu l'amènes. Il est le directeur de l'église. Oui. Tu le prends. Et tu l'amènes. Tu le prends. Tu l'amènes. Tu le prends. Tu l'amènes. Tu le soulèves et tu l'amènes devant ton église. Tu le soulèves. Tu l'amènes ici. Oui. 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 Tu le saisis. Tu le saisis. Tu le soulèves et tu l'amènes ici. Alléluia. Oui. Oui. Il est le prophète de la nation au Burkina. Tu le soulèves, tu l'amènes devant ton peuple. Tu le soulèves, tu l'amènes. Tu le soulèves, tu l'amènes. Tu le soulèves. Oui, on ne résiste pas au Saint-Esprit. On ne résiste pas. Oui, oui, tu me dis, il est prophète pour la nation Burkina. Oui, tu me dis qu'il est prophète pour la nation Burkina. Tu le soulèves, tu l'amènes devant ton peuple. Tu le soulèves. Soulevez et amenez.
devant ton église. Oui. Tu l'amènes. Tu l'amènes. Il est prophète pour la nation Burkina. Tu l'amènes. Tu le saisis. Il ne peut pas résister. Si je le tais, il ne peut même pas résister. Regarde comment tu le traînes. Regarde comme il est une corde. Tu es en train de le traîner. Voilà. Elle, Seigneur, intercesseuse pour le Burkina. Intercesseuse pour ton église au Burkina. Tu me dis intercesseuse pour ton église au Burkina. Pas seulement à Bobo, mais pour le Burkina. Seigneur, tu l'as saisi, tu l'amènes devant. Tu l'as saisi et tu l'amènes devant. Seigneur Jésus. Oui. Voilà. Intercesseuse. Pour le peuple du Kélamé. Pour le réveillement du Kélamé. Tu l'as saisi. Et tu l'amènes devant. Ça vient plus. Et tu l'amènes ici. Pourquoi pas le toucher? Amène la devant ici, Seigneur. Tu l'amènes. Le Saint-Esprit est là. Jésus est Dieu. Ça, c'est la chicote. Parce qu'elle ne voulait pas. Oui. Le travail que tu veux faire dans ton église est terrible. Chacun à son poste. Seigneur,
tu peux refuser de te servir. Tous ceux qui refusent de te servir, tu les saisis par chicote. Tous ceux qui refusent de servir le roi des rois, c'est avec chicote que tu les saisis. Seigneur, tu les amènes à la poste. Chacun à son poste. Les chambres à la poste. Les chambres, tu dois te servir ici. Et tu les positionnes. Positionnez. Chacun à son poste. Seigneur, et tu la soulèves ta fille et tu l'amènes à son poste. Tu soulèves ta fille et tu l'amènes à son poste. Tu l'amènes à son poste. Tu traînes chacun à son poste. Qui va résister? Qui les traîne? Ceux qui résistent. Tu les saisis et tu les traînes. Ceux qui résistent, tu les traînes. Et tu les traînes. Et tu les saisis et tu les traînes. Tu les saisis et tu les traînes. Et tu les saisis et tu les traînes. Tu les traînes et tu les traînes. Et tu les traînes et tu les traînes. Les intercesseurs qui s'ignorent, tu les saisis encore. Les intercesseurs, tu les saisis encore. Les chants, tu les saisis encore. Chacun à son poste. Les chants, et amène les chants à la poche. Seigneur Jésus, tu saisis les chants et tu les traînes à la poche. Tu les saisis et tu l'amènes à la poche. Regarde, regarde. Tu l'as saisi et tu l'amènes à son poste. Tu l'as saisi et tu l'amènes à son poste. Tu l'as saisi, tu l'amènes à son poste. Et tu l'as saisi, tu l'amènes à son poste. Tu l'as saisi, tu l'amènes à son poste. Et tu l'as saisi, tu l'as saisi, tu l'amènes à son poste. Tu l'as saisi, tu l'amènes à son poste. Tu l'as saisi, et tu l'amènes à son poste. Tu l'as saisi, tu l'amènes à son poste. Tu l'as saisi, et tu l'amènes à son poste. Tu saisis chacun, et tu l'amènes à son poste. Tu saisis chacun, et tu l'amènes à son poste. Tu l'as saisi, tu l'amènes à son poste. Tu l'as saisi et tu l'amènes à son poste. Le Saint-Père, le Saint-Esprit est là, il est là, il est là. L'Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Alléluia. Le Saint-Esprit t'a choisi. Maintenant, il t'amène à son poste. Il s'amène. Il t'amène à ton poste. Il te saisit. Il t'amène à ton poste. Il te saisit. Il t'amène à ton poste. Il te saisit et t'amène à ton poste. Il t'amène à ton poste. Intercesseuse. Intercesseuse. Rejoins ton poste. 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 Rejoins. 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 L'eau s'en coule, et ça coule, ça coule.
Tu sens une pluie. Tu sens une pluie qui saille. Une pluie qui saille sur toi. Une pluie qui saille sur toi. Il y a un chant impétueux qui les soulève. Quand tu as soulevé Philippe et tu l'as amené chez le centenier, c'est comme ça que tu les transportes. Tu les transportes. Tu les transportes. Tu les transportes. Esprit de Dieu, tu les transportes. Esprit de Dieu, tu les transportes. Tu les transportes. Tu les transportes. Tu les transportes. Transportez. 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 Qui peut résister? Tu ne peux pas résister. Tu n'as pas de force pour résister. Le Saint-Esprit soulève tes pieds. 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 Il soulève tes pieds. Soulève tes pieds. Il soulève tes pieds. Il t'amène. Il t'amène. Il t'amène. Il t'amène. Par sa puissance. 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 Regardez. Regardez. Tu vas lui délivrer dans tout le Burkina Faso.
dans tout le plus clair, pour le réveil, pour le réveil. Tu vas me révéler des choses à terre. Tu vas me révéler des choses à terre. Regardez, regardez. Intercesseuse pour la nation Burkina, intercesseuse pour le réveil au Burkina, intercesseuse pour le réveil au Burkina, intercesseuse, 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 intercesseuse pour le Burkina, intercesseuse pour le Burkina, intercesseuse, intercesseuse pour le réveil au Burkina, intercesseuse pour le réveil au Burkina, intercesseuse, c'est la l'équipe. Tu l'équipes et tu l'équipes, tu l'équipes et tu l'équipes, tu l'équipes, tu l'as au moins, tu l'as au moins et tu l'as au moins, tu l'as rempli de feu, tu l'as rempli de feu, tu l'as rempli de feu, tu l'as rempli de force et de puissance, tu l'as rempli de force et de puissance, et tu l'as rempli, et tu l'as rempli, et tu l'as rempli, tu l'as rempli d'onction, 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 tu l'as rempli de force et de puissance, et tu l'as rempli de force et de puissance, tu l'as rempli de force et de puissance, et tu l'as rempli de force et de puissance, tu l'as rempli de force et de puissance, et tu l'as rempli de force et de puissance, tu l'as rempli de force et de puissance, et tu l'as rempli, tu l'as équipé, 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 tu l'as équipé. Tu l'as équipé, tu l'as équipé, tu l'as équipé, tu l'as équipé. Seigneur, tu l'as ouin, tu l'as ouin, tu l'as ouin, tu l'as ouin. Tu l'as rempli de feu, tu l'as rempli de feu, tu l'as rempli de feu. Le feu de prière, le feu de prière. Et tu t'es mis, tu es dans le temps de chant. Et le temps de chant, elle va prier en chantant. Elle va chanter en priant, elle va prier en chantant. Elle va chanter en priant. Et tu l'as rempli, tu l'as rempli, tu l'as rempli de feu, tu l'as rempli de feu. Le feu en lui, le feu en elle, et le feu en elle. Le feu en elle, et le feu en elle. Le feu en elle, le feu en elle, le feu en elle. Oui Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Regarde l'intercesseur, regarde comment nous sommes, regarde comment nous sommes, regarde comment nous sommes travaillés, comment ça déborde, regarde 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 comment ça déborde. Seigneur, tu l'as oué, tu l'as oué, et tu l'as oué, tu l'as oué, tu l'as oué, tu l'as oué, Seigneur Jésus, tu l'as oué, Seigneur Jésus, tu l'as oué, Seigneur, tu l'as oué, Seigneur, tu l'as oué, ton action devant elle, ton action devant elle, et ton action, 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 chantez pour la gloire du Saint-Esprit. C'est l'heure du Saint-Esprit.
Seigneur, ton onction, ça coule, ça coule, ça coule la mer, ça coule la mer, ça coule la mer. Seigneur Jésus, elle va chanter pour ta gloire, 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 elle va chanter pour ta gloire. Seigneur, s'il y a encore quelqu'un dans le groupe des chants qui résiste, tu l'amènes ici, tu l'amènes ici. S'il y a quelqu'un qui résiste, tu l'amènes ici dans le roi, tu l'amènes à son poste. Tous ceux qui résistent, tu les amènes. Tu amènes, tu amènes, tu amènes, tu amènes. Seigneur, tu amènes ceux qui résistent. Tu amènes ceux qui résistent. Ton frère les soulève et les amène ici. Ton frère soulève et amène ici. Le Saint-Esprit est là, il est là, il est là.
Le Seigneur
Certaines choses. Donc, restez concentrés pour que rien ne vous échappe. Il est en train de restaurer son église. Il est en train de consolider les bases de son église. Il est en train de revêtir son église. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. Voilà.
aujourd'hui c'est l'apothéose. Donc il est en train de revêtir son église. Et chacun doit être repositionné à son poste. Alléluia. Donc le berger qu'il a pris pour son église, c'est le pasteur Paul. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Il est le pasteur de son église, il prend soin de son troupeau. Si une seule de ses brebis va en enfer, il va payer cher. Il va payer cher. Reste là. Voilà. Le prophète de son église qui va utiliser, il va utiliser dans plusieurs dimensions, de plusieurs manières. Il est déjà équipé. Il va l'utiliser encore puissamment. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous a fait grâce du discernement. Le serviteur David, il y avait de grandes confusions dans son ministère. Un va dire il est évangéliste, un autre va dire il est prophète. Mais le Seigneur nous a donné le discernement. Il a certes le temps d'évangéliste, il a le temps de prophète, mais il y a plus que ça parce que le Seigneur veut l'utiliser dans une dimension extraordinaire. Alléluia. Donc le Seigneur fait de lui l'apôtre. Alléluia. Et je précise, il est apôtre pour l'église de Bobo et il est encore apôtre missionnaire pour tout le Burkina Faso. Donc, de son poste, le Seigneur peut l'amener à tel endroit pour aller établir. Le Seigneur peut l'amener dans tel village au Burkina pour aller établir des églises, des cellules, 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 des églises, des cellules. Lui, le Seigneur a mis un saint évangéliste en lui. Mais en lui, le Seigneur lui fait grâce de l'onction du docteur. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, je prie que l'onction de la sainte entrée commence à couler en lui. Que l'onction de la sainte entrée commence à couler par son âme. L'onction de docteur, ça coule en lui. L'onction de docteur, que ça coule en lui. L'onction de docteur, que ça coule en lui. 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 Ça coule. Ça coule. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Lui, ce n'est pas un homme qui l'a amené ici. C'est Jésus qui l'a amené ici. Son histoire m'a fait trembler. Et la manière dont je suis tremblé, j'ai tremblé, c'est comme ça. Oui, le Seigneur va l'utiliser comme lui-même ne peut pas imaginer. Le Seigneur fait de lui prophète pour le Burkina Faso. C'est l'onction de la nation qui coule en lui. L'onction pour la nation du Burkina qui coule en lui. Qui coule en lui. Le Seigneur va l'utiliser de façon extraordinaire. 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 De façon extraordinaire, de façon extraordinaire, et de façon extraordinaire, de façon extraordinaire, de façon extraordinaire, de façon extraordinaire, et extraordinaire, extraordinaire, et extraordinaire, extraordinaire, et extraordinaire, 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 et extraordinaire, de façon extraordinaire et extraordinaire, de façon extraordinaire, de façon extraordinaire, et extraordinaire, et extraordinaire, et extraordinaire, extraordinaire, et extraordinaire, et extraordinaire. Il y a une lumière, il y a une grande lumière qui s'est levée sur le Burkina Faso. Il y a une grande lumière, une grande lumière qui s'est faite. Une grande lumière de réveil qui s'est levée sur le Burkina Faso. Les ténèbres vont sortir. Les ténèbres vont fuir le Burkina. Les ténèbres vont fuir le Burkina. Les ténèbres vont fuir le Burkina. Les ténèbres vont s'enfuir. Les ténèbres vont s'enfuir. Les ténèbres vont s'enfuir. Le Seigneur a dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je t'ai choisi, je t'ai oué pour que tu sois prophète des nations, pour intercéder pour mon peuple, pour plaider en faveur de mon peuple. Et c'est ce que le Seigneur fait de son serviteur, le prophète en Philippe, pour le réveil au Burkina, pour que la sainte doctrine soit enracinée. Soit enracinée. Soit enracinée. Dans les villages, dans les contrées, 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 dans les villages, dans les contrées. Et le Seigneur n'a pas fini. Le Seigneur n'est que de puissant ans. De puissant ans. De puissant ans. Le puissant ans. Des dons des prophètes. Le Seigneur lui donne le don des prophètes. Le don des prophètes. Le Seigneur met en lui le don de prophète Ézéchiel. Le Seigneur met en lui le don, l'onction de prophète Ézéchiel est en lui. Le Seigneur va lui révéler les ossements desséchés du Burkina Faso. Le Seigneur lui révèle les ossements desséchés du Burkina Faso. Le
Le Seigneur vient à lui. Le temps du prophète Jérémie. Pour sonner la trompette. 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 Le Seigneur met en lui l'onction du prophète Esaïe pour appeler son peuple. Son peuple à la repentance. Pour son peuple à la repentance. Je veux que Dieu à la repentance. Je veux que Dieu à la repentance. Il y a la repentance du Burkina Faso. La repentance du Burkina Faso. Et le Seigneur vient à lui. L'humilité. 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 Plus il se passe, plus le Seigneur va l'amener de dimensions extraordinaires. Plus il s'abaisse, plus le Seigneur va l'élever. Plus il tient, plus le Seigneur va grandir en lui. Plus il tient, le Seigneur va grandir en lui. Plus il tient, le Seigneur va grandir en lui. Et il est soumis aux autres ministres. Il est attaché aux autres ministres. Il est soumis aux autres ministres. Il n'est pas appelé à travailler seul. Le Seigneur l'a appelé à la sainte doctrine, à Jésus retient. Il demeure à Jésus retient. Et le Seigneur va l'utiliser de façon extraordinaire. De façon extraordinaire. De façon extraordinaire. Tout malade qui se mettra sur son chemin reçoit la guérison. Tout malade qui se mettra sur son chemin reçoit la guérison. Tout malade qui croisera son chemin par le nom de Jésus reçoit la guérison. Amen. Vous apprendrez au Burkina que les morts sont ressuscités. Amen. Vous apprendrez désormais dans ce réveil au Burkina, que des morts sont ressuscités. 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 Seigneur, tu sèmes en lui les qualités d'homme de Dieu. Les qualités d'homme de Dieu effacées. Les qualités d'homme de Dieu humble, les qualités d'homme de Dieu soumis à ta volonté, les qualités d'homme de Dieu Seigneur, tu mets en lui la compassion, la patience, l'amour, la tempérance, la bonté. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Amen. Seigneur, ta main sur eux maintenant. Seigneur Jésus, tu les rends dangereux au monde des ténèbres qui sont ici. Amen. Tu les rends dangereux. Amen. Seigneur, tu les rends dangereux. Amen. Face au monde des ténèbres, tu les rends dangereux. Amen. Tu les rends dangereux. Yeah. 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 Et tu les équipes. Yeah. 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 Et tu sèmes en eux l'humilité. Amen. Tu sèmes en eux la vérité. Amen. Tu sèmes en eux la douceur. Tu sais en eux la compassion pour tes brebis. 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 Merci Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allez à vos places. Amen. Seigneur. Voilà la séquence. Ruth. Le Seigneur l'a pris intercesseuse, non seulement pour
l'église de Beaumont, mais l'église de Jésus-Christ dans tout le Burkina. L'église de Réveil, l'église dans la sainte doctrine, l'église de Dieu revient dans tout le Burkina. C'est le fardeau que le Seigneur lui donne. Et elle la garde avec joie. Elle la tient avec joie. Elle la garde avec joie. Elle la tient avec joie. Le Seigneur lui fait grâce. Le Seigneur l'a équipé. Le Seigneur l'a oint. Et le Seigneur va l'utiliser. Tous ses genoux, à tout moment qu'elle va fléchir les genoux, le Seigneur va exaucer ses prières. Le Seigneur va exaucer toutes les situations sur lesquelles le Seigneur va l'interpeller. Elle fléchit les genoux. Le ciel exauce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les autres intercesseuses, tous ceux qui sont consacrés intercesseurs, venez. Passez, 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 passez. C'est fini. Vois si tu es dedans. Tu as peur. Il n'y a pas de pain. Elle veut aussi rester dedans. Elle veut être dedans. Seigneur Jésus, ta fille aussi, tu fais d'elle intercesseuse. Papa, tu fais d'elle une femme de prière. L'onction qui coule sur les, toutes les intercesseuses coule en elle. Tu l'as remplie de feu aussi. Tu l'as remplie de puissance aussi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, voilà les intercesseuses pour ton église. Seigneur Jésus, tu les as déjà oints, tu les as déjà consacrés. Papa, que tu les équipes puissamment et tu leur donnes la grâce de demeurer ferme. Tu leur fais la grâce de demeurer intègre. Tu leur fais la grâce de demeurer fidèle. Fidèle à ton œuvre. Fidèle à ton œuvre. Le Seigneur me dit, il me manque quelqu'un. Il me manque quelqu'un. Où est Deborah et Maïs? Amenez-la. Seigneur, ton feu est là. Ton feu est là. Ton feu est là. Ta présence est là. Toi, hier, le Seigneur t'avait consacré. Et pourquoi tu fuis? Rentre dans les rangs. On ne reçoit pas les dons pour aller dormir à la maison. Seigneur, voilà. Voilà tes intercesseurs. Seigneur, les voilà. Papa, elles ont besoin de ton soutien. 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 Seigneur Jésus, tu les équipes. 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 Déborah, le Seigneur me dit qu'il a réglé ton problème. Si tu résistes encore dans son œuvre, c'est avec chicotte. Il va traiter ton cas publiquement. Si tu résistes encore à son œuvre, il a déjà réglé ton cas. Ton cas est réglé définitivement. Alors, Seigneur Jésus, Papa, voici tes intercesseuses. Seigneur Jésus, tu les marques de ton sceau. Tu les marques de ton sceau. Le sceau du Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit est sur chacune d'elles. 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 Seigneur Jésus, à tout moment qu'elles vont fléchir les genoux pour prier, pour demander quoi que ce soit, Seigneur, tu les exauces. Seigneur, tu les exauces. Papa, par elle, tu ériges une muraille de feu autour de ton église. Ton église est désormais
infranchissable au monde des ténèbres. Ton église est désormais infranchissable, entourée de fils barbelés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Papa, tu les équipes des dons qu'ils n'ont jamais expérimenté. Tu leur donnes tous ces dons, Papa, et ta grâce se repose sur leur vie. Au moment où ils seront en train d'intercéder pour tes prières, pour ton église, en ce moment même, Seigneur Jésus, Papa, tu ouvres les portes de grâce dans leur propre vie. Dans leur propre vie. Dans leur propre vie. Tous leurs besoins seront exaucés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez Jésus pour leur vie. Allez avec grâce. Les chambres, vous avez besoin encore de prière. Parce que ça dégage pour vous. Vous allez demander que le Saint-Esprit vous apprenne la gamme du ciel. La gamme du ciel. Tout ce que nous faisons sur la terre est venu du ciel. Donc quand vous chantez et ça dégage, ça prouve qu'il y a un problème. Et vous devez prier pour régler ça. Donc vous devez prier pour avoir la gamme du ciel, pour avoir la cadence du ciel, pour avoir le rythme du ciel. Parce que quand vous chantez, les anges dansent. Mais quand vous décalez, ils ne peuvent pas danser. Donc vous chantez pour quoi? Donc vous devez prier. C'est un travail urgent que vous devez faire en votre sein. Disposez-vous. Seigneur, voici tes chants. Si tu les as choisis, c'est pour te servir. C'est pour te louer. C'est pour t'adorer. Et dans leur adoration, Seigneur, le ciel va se mettre en joie. Le ciel va se mettre en danse. Alors Seigneur, tu les équipes. Tu les équipes. Et tu les révèles les meilleures mélodies du ciel. Les meilleures chansons du ciel. Tu leur révèles cela. Tu leur révèles cela. Par le chant, par leur louange, des aveugles verront. Des sourds entendront. Des muets parleront. Des paralytiques marcheront. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta grâce sur la vie. Ta grâce sur la vie. Chacune d'elles a laissé une occupation pour s'attacher à ton Dieu. Seigneur Jésus, tu les bénis dans leurs activités. Amen. Tu les bénis dans leurs activités. Amen. Tout ce que leur main touchera, soit béni. Tout ce que leur main touchera, soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, les nouvelles que tu as prises, que tu as désirées, Seigneur Jésus, ton onction se repose sur elles. Ton onction se repose sur elle. Ton onction se repose sur elle. Ton onction se repose sur elle. Ton onction 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 sur elle. Seigneur Jésus, elle, tu règles en même temps son problème. Seigneur, à partir de maintenant, il n'y aura plus de jamais de fausses couches dans sa vie. L'esprit caché derrière cette fausse couche, l'esprit est frappé. 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 L'esprit de Allah, l'esprit de famille, derrière cette fausse couche, deux fois répétitive, l'esprit est ricoté et jeté dans les abîmes. Tous les liens de malédiction dans sa vie, Seigneur, sont brisés. 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 Maintenant, l'onction d'enfantement coule dans sa vie. Cette année ne finira pas. Et sa grâce est accomplie. Cette année ne finira pas. Cette année ne finira pas. Elle témoigne. Cette année ne finira pas. Qu'elle témoigne
de ta grâce dans sa vie. Cette année aussi là-bas, elle témoigne de sa grâce, de ta grâce dans sa vie. Elle viendra avec des mains en main témoigner. Elle viendra avec des mains témoigner. 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 Si tu lui as accordé la grâce du mariage, c'est que tu lui accordes aussi la grâce de l'enfantement. Si tu lui as accordé la grâce du mariage, c'est que tu lui accordes la grâce de l'enfantement. L'enfantement. Regarde comment tu es en train de nettoyer sa tombe des péchés. Des péchés que l'ennemi a mis dans sa tombe. Regarde comment tu es en train de nettoyer. Tu es en train de nettoyer. Tu es en train de nettoyer. Elle vomit les péchés. Elle vomit tout ce que l'ennemi a semé dans sa tombe. Elle a vomi. Elle a vomi. Elle a vomi. Elle a vomi. Elle vomit tous les péchés. 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 Elle vomit tous les péchés que l'ennemi a semés dans ses entrailles. Elle vomit tout. Elle vomit tout. Elle vomit tous les péchés. 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 Viens, 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 viens. Elle vomit tous les péchés. Tous les péchés. Tous les péchés. Reste là. Elle vomit tous les péchés. Son âme vomit tous les péchés. 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 Elle vomit tout. Elle vomit tout. Tout ce que l'ennemi a semé dans ses entrailles. Elle vomit tout. Elle vomit tout. Elle vomit tout. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit la soulève. Et elle vomit. Le Saint-Esprit la fait remonter. Tous les péchés. Les péchés que l'ennemi a semé dans ses entrailles. Elle vomit tous ses péchés. Elle vomit tous ses péchés. Elle vomit tous ses péchés. Elle vomit. Elle a vomi, elle a vomi, elle a vomi, son âme est 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 vomi. Vomis-les, 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 rien ne reste là. Le sang de Jésus est en train de nettoyer tes entrailles. Le sang de Jésus est en train de nettoyer ta trompe. Le sang de Jésus est en train de nettoyer ta trompe. Le sang de Jésus est en train de nettoyer ta trompe. Il n'y aura jamais de mort-né dans cette église. Il n'y aura jamais de mort-né dans cette église. Il n'y aura jamais de mort-né dans cette église. Il n'y aura jamais de mort-né dans cette église. Il n'y aura jamais de mort-né dans cette église. Il n'y aura jamais de mort-né dans cette église. Soulève-la. Maintenant, Seigneur, ton serviteur. Ton serviteur, ça seulement c'est moins. Ça seulement c'est moins. Seigneur, par les deux, tu veux envoyer sur la terre des prophètes. Par les deux, tu veux envoyer des serviteurs sur la terre. Par les deux, tu veux envoyer des docteurs sur la terre. Par les deux, tu veux envoyer des évangélistes sur la terre. Par les deux, tu veux envoyer des apôtres sur la terre. Par les deux, tu veux envoyer des pasteurs sur la terre. Alors je prie, Seigneur, tu consacres maintenant tout sa semence. Tout ce qui est en lui est consacré. Tout ce qui est en lui est consacré. Tout ce qui est en lui est consacré. Et je prie, sa trompe est consacrée. Ses entrailles consacrées. Ses entrailles consacrées pour recevoir des enfants consacrés. Pour recevoir des enfants consacrés. Des enfants où est depuis le ventre. Des enfants où est depuis le ventre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, alléluia. Alléluia, 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 sont en train de prier pour la grâce de Maria. Vous venez devant, on va prier pour vous. Les chantres, vous êtes aussi concernés. Tout le monde. Mais...
Le mariage.
acclame le Seigneur pour les hommes. Le berger même est dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Disposez-vous. Seigneur, tu es un Dieu. Amen. Un Dieu qui bénit. Amen. Un Dieu qui bénit, Seigneur. Amen. Regarde, tes enfants, ils ont rejeté les délices du monde. Ils ont abandonné les choses qui brillent dans le monde. Et ils sont engagés. Ils sont finis de servir dans ta maison. Seigneur Jésus. Papa, tous ceux qui sont abandonnés, papa, tu leur accordes la plus grande bénédiction. Amen. Seigneur Jésus. Papa, tu accordes maintenant, tu actives leur grâce de mariage. Amen. Leur grâce de mariage. Amen. Leur grâce de mariage. Amen. Leur grâce de mariage. Seigneur, tu enlèves maintenant le voile de célibat. Tu déchires le voile de célibat sur leur vie. Tu déchires le voile de célibat sur leur vie. Tu déchires le voile de célibat sur leur vie. Tu déchires le voile de célibat sur leur vie. Que le voile de célibat soit déchiré dans leur vie. 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 Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Papa, tu leur prépares. Seigneur, des filles d'adoratrices. Des filles d'adoratrices, Seigneur. Tu leur prépares des filles. Oh Seigneur, des femmes. Des femmes adoratrices. Des femmes adoratrices. Des femmes adoratrices. Des femmes adoratrices. Des femmes adoratrices pour eux. 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 Seigneur, tu les bénis. Tu les bénis, Seigneur. Tu les bénis, Seigneur. Tu bénis leurs activités. Seigneur Jésus, tu les prépares. Parce que le mariage, c'est une grande responsabilité. Alors, Seigneur Jésus, ceux qui n'ont pas de métier, ceux qui n'ont pas de travail, parmi eux, Seigneur, tu ouvres les portes de travail dans leur vie. Tu ouvres les portes de travail dans leur vie. Tu ouvres les portes de travail dans leur vie. Tu ouvres les portes de travail dans leur vie. Amen. Ceux qui travaillent déjà, Seigneur, tu bénis leurs activités. Tu bénis leurs activités. Tu bénis leurs activités. Tu bénis leur travail. Tu bénis leurs activités. Tu bénis leur travail. Tu bénis leurs activités. Tu bénis leur travail. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Les enfants. Amenez les enfants. On va prier pour les enfants. Ne les empêchez pas. Il faut l'appeler. Seigneur, tu as dit, laissez les enfants venir vers moi. Ne leur soyez pas des obstacles. Alors, Seigneur, tous les obstacles pour ces enfants, pour t'adorer. Seigneur, je prie que ces obstacles soient brisés. Que ces obstacles soient ôtés. Que ces obstacles dans leur vie soient ôtés. Seigneur, je te les consacre maintenant. Seigneur, je te les consacre. Seigneur, je te les consacre. 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 Seigneur, ces enfants vont te servir. 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 Tout projet de l'ennemi
visant à détourner leur avenir, visant à détourner leur destinée, que tous ces projets soient anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, tu les remplis de ton feu, tu les entoures de ton feu. Tout sorcier qui va venir les chercher la nuit pour les amener à manger, pour leur donner des repas nocturnes, que leur âme s'oppose, que leur âme s'oppose, que leur âme refuse, que leur âme refuse de manger toute nourriture nocturne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu les marques de ton sceau, tu les marques de ton sceau, le sceau de ton Esprit Saint, le sceau de ton Esprit Saint sur eux. Le saut de ton Esprit Saint sur eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez pour le Seigneur. S'il y a des malades dedans, s'il y a un enfant gloire à Jésus, le Seigneur est suffisamment guéri. Seigneur, tous ceux qui sentent des petites douleurs dans leur corps, tout ça là, papa, je prie que l'onction de guérison se répand sur eux maintenant. Que l'onction de guérison se répand sur eux maintenant. Que l'onction de guérison se répand sur eux maintenant. Que l'onction de guérison se répand sur eux maintenant. Que l'onction de guérison se répand, se répand, se répand, se répand, se répand, se répand. Seigneur. Donc complètement. Amen. Qu'elle soit complètement restaurée. Amen. Seigneur Jésus, ce qui est à ta sa gauche, papa, je te vois en train de lui faire l'opération toi-même. Amen. Je te vois en train de lui faire l'opération toi-même pour enlever cette boule que l'ennemi a mis dans sa gorge. Seigneur, tu enlèves cette boule. Tu enlèves cette boule et que son témoignage soit grand, papa, pour battre tout le but qui est en face. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ça me rappelle le Seigneur qui était... qui avait conduit un peuple nombreux et ils ont passé 3 jours, ils prêchaient l'évangile et après les 3 jours, le peuple avait faim. Alléluia. C'est à quoi que vous avez faim. Alléluia. Mais c'est ici la faim de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est vrai que vous avez un peu avancé. Mais le Seigneur nous permet de prendre, si on a 1, 2, 3 témoignages. Donc si pendant le programme, le Seigneur t'a visité d'une façon particulière, le Seigneur t'a accordé une grâce, le Seigneur a fait quelque chose pour toi, le Seigneur t'a montré quelque chose, c'est l'occasion de venir témoigner en son nom. Alléluia. Ne garde pas pour toi. Si tu témoignes, le Seigneur va encore faire plus. Si tu témoignes, le Seigneur va encore te montrer plus. Alléluia. Tout ce que nous avons reçu depuis que la mission a commencé, c'est par pure grâce. Gloire à Jésus. Par ton témoignage, certains qui étaient incrédules vont croire en la puissance de Jésus. Alléluia. Qui veut témoigner pour la gloire de Jésus? Aïe. Non, Jésus n'a rien fait. Jésus n'a rien fait. Alléluia. Oui. Oui. Approche. On acclame le Seigneur pour sa vie. Qu'est-ce que le Seigneur fait pour toi durant ce programme? Amen. Le Seigneur m'a restauré. Je peux dire, j'étais fatigué par l'esprit de masturbation. Mais dans ce programme-là, vraiment, j'ai vu la délivrance totale. Amen. Le Seigneur m'a délivré totalement. Et je veux lui rendre gloire. Et il m'a vraiment restauré également. Et a éveillé les choses à moi. Le zèle est revenu. Vraiment, je veux lui dire merci. Que son nom se soit glorifié. Au nom de Jésus. Tu as peur du Seigneur. Alléluia. Peut-être que c'est parce qu'on appelle la masturbation. Alléluia.
Quand quelqu'un te dit qu'il est délivré de la masturbation, alléluia, c'est qu'il va passer moins de temps à la douche. Alléluia. Pour ceux qui ont connu ce phénomène, c'est quand ils partent à la douche, au lieu de passer 10 minutes, ils prennent toute une heure là-bas. Mais lui, le Seigneur l'a délivré. Gloire à Jésus. Témoignage. Ah, on a quand même le Seigneur pour servir. Ah, je suis vraiment choquée. C'est un don que le Seigneur m'a donné. Je n'avais même pas pensé à ça. Que le Seigneur m'a donné le don de chanter. Je lui dis merci. Alléluia. Le Seigneur. Elle est remplie de joie. Ah, le don de santé pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Témoyage. On acclame pour le moment. Alléluia. Alors, la maman-ci, elle était venue le dimanche. En tout cas, c'est le dimanche qu'ils ont fait son baptême. Alléluia. Et elle veut déjà témoigner. Toi, tu es là. Il y a des sonars. Alléluia. Acclame pour toi-même. Merci, Jésus, pour toi, maman. Shalom, shalom. Shalom. Je remercie le Seigneur. Je suis arrivé samedi soir. Je suis arrivé ici. J'ai vu beaucoup de miracles. Le lendemain, je suis parti faire mon baptême. Au lieu du baptême, au moment où on m'a plongé dans l'eau, vraiment, ça fait quelque chose dans mon corps. J'ai senti un soulagement. Mon corps était léger. Amen. Ça, ça a été déjà beaucoup de choses pour moi. Amen. Aujourd'hui, pendant ma délivrance, j'avais problème de mots du tout. Les jambes, jusqu'aux pieds. Tout me faisait malade. Et tout me faisait mal. Excusez-moi. Mais pendant la délivrance, j'ai senti on dirait quelque chose qui sortait de ma hanche. Amen. J'étais debout. Mais en fin de compte, je me suis retrouvée à terre. Amen. Il est passé à prier pour moi. Vous me voyez voler comme ça, j'ai un boîte. C'est pour cette raison qu'il me voit. Il a prié pour moi. Entre temps, je ne pouvais même pas respirer. Je sentais quelque chose qui a bloqué au niveau de ma gorge. Présentement, je trouve que ça va. Amen. Après, j'ai pris le bon Dieu. J'ai dit merci au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Maman avait un boîte. Et quand l'homme de Dieu a prié pour elle, elle a senti que ça va. Et parce qu'elle a témoigné, je déclare au nom de Jésus, elle est complètement guérie. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Témoignage. Oui. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur fait pour pouvoir le programme? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je te remercie à Jésus ce soir du plus profond de mon cœur au nom de Jésus. Je te remercie parce que ce soir le Seigneur m'a visité grandement. C'était le 1er janvier. J'étais dans ma chambre et j'ai dit à Jésus ce jour-là, j'ai dit, je vais expérimenter quelque chose que je n'avais jamais expérimenté avant. Amen. Et ce jour-là, dans ma chambre, j'étais seul. Le Seigneur m'avait grandement visité. Ce soir-là, j'étais là, après la prise de la Sainte, j'ai dit, mais Jésus, je suis baptisé au nom de, en ton nom. Mais quand je suis pas baptisé ici, Jésus revient. Voilà que je n'ai pas pris. Mais du plus profond de mon cœur, j'ai senti que je devais me tenir levé. Et le Seigneur, vraiment, je me suis rappelé de cette puissance qui m'avait traversé en ce jour-là. Le Seigneur m'a fait du bien. Et actuellement où je suis beaucoup heureux
parce que Jésus m'a visité ce soir. Je veux dire merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Toute la gloire à Jésus. Alléluia. En tout cas, le Seigneur est grand. Le Seigneur est puissant. Et comme le Seigneur t'a visité ainsi, le Seigneur voudrait que tu puisses vraiment t'attacher à la sainte doctrine que tu as écoutée dans son assemblée. Alléluia. Ne retourne pas dehors. Il faut rester là, dans la bergerie. Alléluia. Le Seigneur a établi ses serviteurs. Tu as des pasteurs, des prophètes, tout ça. Donc, l'onction est ici. Alléluia. Amen. L'onction est ici. Acclame le Seigneur. Il y a la sœur à qui je voulais parler. Tu peux venir. Sois fortifié. Voilà, on acclame le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur fait pour toi pendant le programme? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Bon, pour moi, là, c'est pas. C'est... Shalom, shalom. Pour moi, là, c'est pas cette année, mais c'est l'année qui s'est passée. Quand les hommes de Dieu étaient ici, pendant qu'on chantait, bon, j'avais peur. Je disais, ah, c'est les voisins qui nous parlent et se plaignent. Donc, j'avais peur. Donc, entre-temps, les chanteurs ont pris un chant. Roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Jésus est roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, alléluia. Donc pendant cette chanson-là, entre-temps, je me suis vu, j'étais en train de sauter et puis chanter fort, 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 fort. Bon, mais à cette année-là, qu'on est en train de faire, là, je n'ai pas peur. Alléluia. C'est un grand témoignage. Alléluia. Le Seigneur est le prince de paix et le Seigneur lui a accordé la paix. Alléluia. Si tu peux avoir des millions, des milliards, si tu n'as pas la paix, tu n'as rien. Gloire à Jésus. Témoignage. Il y a quelqu'un qui dit, bon, est-ce que je vais parler de ça? Ou bien je vais me taire? Tu dois dire. Alléluia. Témoignage. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi pendant ce programme? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Peut-être que tu n'avais pas la foi. Et il a augmenté ta foi. C'est un témoignage. Alléluia. On acclame le bien-aimé. Shalom, shalom. Moi, sincèrement dit, c'est ma vie de prière qui a été gâtée. Je n'arrive pas à prier. Donc, le nom de Dieu a prié pour moi. Le nom de Dieu a prié pour moi. Maintenant, ça va. Je rends grâce à Dieu. Gloire à Jésus. Voilà, c'est ça le témoignage. Situation avant, situation après le passage de Jésus. Alléluia. Ma vie de prière était gâtée. Jésus est venu, ma vie de prière est restaurée. Alléluia. On acclame le Seigneur. Témoignage. Regardez par les témoignages. Ce que tu vas dire là, certainement ça va édifier quelqu'un ici. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? On acclame le Seigneur pour sa vie. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi pendant ce programme? Tu as vu notre frère là. Situation avant, situation après. Shalom, shalom. Shalom. Ma voix est partie à cause des prières. Gloire à Jésus. Amen. Donc je remercie le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour toutes ces merveilles. Pendant ces 3 jours de prière, le pasteur posait la question une fois ici, est-ce que les gens, ceux qui ont la vie de colère, les mauvaises pensées, et je vois que si je vais dire à Jéhovah, qui m'ont dépassé. Gloire à Jésus. Mais après la prière, quand je suis allé à la maison dormi chez le pasteur, dans son, j'ai vu que j'ai vomi des vis par cœur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le point qui m'a plus beaucoup touché, c'est lorsqu'il faisait délivrance à une dame ici.
quand on parlait de l'esprit de Jéhovah, il était dans l'église des assemblées de Dieu. Et malheureusement, chaque fois, il se lève pour chanter que Jéhovah, il chante de Jéhovah. Et là, j'ai compris que, ah, donc c'est l'esprit de Jéhovah qui règne là-bas. Il dit donc, Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a délivré de ces choses. Vraiment, et Dieu, et il m'a beaucoup fortifié encore davantage. Et je crois que face à face avec un témoin, Jésus est à nous. Alléluia. Ça, c'est la foi qui parle. Je crois que désormais, face à face à un démon, le Seigneur va opérer. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Toute la gloire à Jésus. Témoignage. Témoignage. Les centres là, le Seigneur n'a rien fait pour vous. Oui, bien aimé, on acclame le Seigneur pour sa vie. Amen, amen. Amen. Gloire à la paix, notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais témoigner concernant ce qui m'est arrivé dans les deux jours. J'ai béni le nom du Seigneur parce que, bon, je me sentais adopté au fait. Et tout ce que j'ai appelé, je vous saisis le lien. Donc, dans la méditation, dans la prière, je me sens sincèrement bon. Et dans les deux jours, je vois que tout cela est santé. La gloire est dans le Seigneur Jésus. Amen. En plus de cela, lorsque j'ai évangélisé une personne, parlé du désir d'une personne, je ressens une certaine peur en moi. Donc cela fait que vous faites, j'avais tant de difficultés à parler de ceci, voilà. Même donner un simple traité à qui que ce soit. C'était plutôt un problème. Mais dans les détails, je vois que tout c'est ensemble. Que la gloire est bien au Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et je vais en tout cas témoigner un peu sur ma vie. Je vais un peu témoigner sur ma vie. Oui, bien oui. Par rapport au programme. Oui. Situation avant, situation après. Précis. Faut pas être long. Ok, amen, amen. Donc je peux dire, avant que je ne vienne ici, c'est-à-dire le coup de Dieu revient, était également lié par l'esprit de masturbation. Retenez ceci, j'ai passé 6 années dans la masturbation. 6 années. Et c'est à certaines années que le Seigneur m'a libéré. Sincèrement, je rends grâce à Jésus. Que toute la gloire revienne. Jésus est vraiment puissant. Il est vraiment capable. C'est lui qui peut faire, qui peut nous faire surmonter l'impossibilité. Pour faire certains actes de voyage, comme si c'était impossible, insurmontable. Mais lorsque j'ai été dans la vérité, le Seigneur m'a libéré. Au fait, en tout cas, c'est un acte très dur. Mais je vois que beaucoup de personnes sont. Bon, on y a fait ça, on y a pratiqué là. Mais retenez ceci. Comme le Seigneur m'avait dit, et je suis fier de la fierté que vous envoyez. En témoignant sur l'acte de masturbation, ce n'est pas une chose extraordinaire. Ce n'est pas une grande chose. Mais ce que le Seigneur veut, la chose essentielle que le Seigneur promet, c'est de ne plus retourner à la masturbation. J'ai entendu des gens qui ont dit d'avoir abandonné. Mais ils n'ont, ces gens-là n'avaient pas connu la vérité. Et cela les a poussés encore dans l'acte. Je peux me dire qu'ils sont devenus pires. Donc, avoue que le Seigneur fait grâce, bénissez le Seigneur et persistez tout le temps à prier. Et la prière que vous pouvez voir. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Effectivement, quand le Seigneur nous sort d'un péché, la plus belle victoire qui reste, c'est de ne plus retourner dans ce péché. Alléluia. Quand tu retournes dans ce péché, tu appelles encore 7 autres démons plus méchants. Avec celui qui est parti, ça fait 8. Et maintenant, l'homme fort dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, ce que le Seigneur a libéré d'un péché quelconque ici, peut-être c'est le vol, le mensonge, la
la fornication ou beaucoup ou toutes les autres choses. Ne retournons pas à ces choses. Alléluia. Amen. C'est ainsi que tu vas réjouir le cœur du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Témoignage, s'il y en a encore. Est-ce que le Seigneur t'a montré quelque chose? Ah, on acclame l'homme de Dieu. On acclame le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Vraiment, j'aimerais infiniment dire merci au Seigneur pour sa grâce dans ma vie. Et vraiment, pendant ces quelques jours, je vois que vraiment le Seigneur m'a complètement restauré dans beaucoup de domaines. Et le Seigneur m'a redonné encore une assurance ferme pour son œuvre. Et vraiment, j'aimerais vraiment lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi pendant cette séminaire. Que la gloire, l'honneur, lui revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Au Seigneur. Ah, c'est tout ça. Amen, au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Témoignage. Le Seigneur arrive pour toi. Le Seigneur arrive pour toi. Tu étais en bonne santé toute la semaine. Ah, on acclame le Seigneur. Amen. Ah, la voix est partie. Depuis janvier, moi j'ai fait un programme à moi-même. J'ai dit, bon, moi je ne crois pas que je vais servir le Seigneur autrement, mais moi je vais appuyer les serviteurs de Dieu. Et j'ai fait mon programme, j'ai commencé à exécuter. C'est pas quand j'ai parlé comme ça, tout ce que j'ai gagné là, je ne gagne plus rien. Tout est tombé. Tout ce que je voulais faire là, tout est tombé. Jusqu'à même les premières pluies là même, à créer mon coffret de mon château. Donc je me demande, mais c'est parce que je suis allé à Jésus, je le dis, ou bien c'est parce que j'ai dit que je vais soutenir les ouvriers. Mais je ne savais pas que le Seigneur aussi, c'est la route qu'il a choisie était autre chose. Hier, par la prière, quand l'homme de Dieu m'a oint, et je suis rentré. En rentrant, quand je suis arrivé à la maison seulement, de hier à aujourd'hui là, si je vous cite tout ce qui est rentré dans la famille, vous allez dire que ce n'est pas vrai. Amen. De hier à aujourd'hui. Il ne sait pas si c'est la bonne chose ou bien c'est la mauvaise chose. Alors, ok. J'ai eu une commande de fourniture, de boutures, de patates. Yes. J'ai eu un approvisionnement de 20 000 pour les pépinières. Et il y en a d'autres, je vais les comme ça. On acclame le Seigneur pour la vie. Wow. Jésus est bon. Gloire à Jésus. Voilà comment le Seigneur fait les choses. Alléluia. Il faut juste avoir la foi. Gloire à Jésus. Le Seigneur est bon. Témoignage. Oui, on acclame le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni au nom de Jésus. Donc moi, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour toute ma vie. Alléluia. Pour ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il a fait à ma famille. Amen. Et pour aller très bref, je peux dire quoi? Je vais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Mais aussi, je peux dire merci à Dieu pour tout l'ensemble de l'Église ici présente. Alléluia. Alors, si je suis ici à Robo, c'est par l'aide de Dieu, mais c'est par l'aide aussi des uns et des autres. Alléluia. Donc, je veux vraiment lui bénir. Et durant ce programme, j'ai vu vraiment la main puissante de Dieu. Gloire à Jésus. Et j'étais assis, je ne voulais pas venir, mais ce que je veux donner comme témoin par l'Esprit de Dieu, c'est ce qui s'est passé hier. Alléluia. Parce que
Et lorsqu'on a commencé les choses, c'est comme si le samedi, j'ai vu en songe ce qui devait se passer hier. Gloire à Jésus. Et arrivé, quand les choses ont commencé à passer, j'étais dans la joie, je rendais grâce à Dieu. Alléluia. Mais ce que je voyais dans le ciel était glorieux. Je voyais si comme une armée d'anges descendait au milieu de son peuple. Alléluia. Je voyais comme une certaine gloire qui quittait le ciel. Et rien ne pouvait empêcher cette gloire-là d'atterrir au milieu de son peuple. Gloire à Jésus. Et vraiment, je veux lui dire merci. Merci. Merci pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Si nous sommes humains, que le Seigneur a décidé de faire ça pour nous, c'est vraiment une grâce. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et je veux encore dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Gloire à Jésus. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Amen. Si tu ne croyais pas que Jésus est vivant, en tout cas, par ce programme, le Seigneur t'a montré de plusieurs façons qu'il est vivant. Amen. Alléluia. On acclame son Saint-Nom. Témoignage. Il y a une sœur qui doit témoigner ici, là. Elle n'a pas encore parlé. Elle est dedans. Témoignage. Est-ce qu'il y a un dernier témoignage ou un avant-dernier? Ceux qui gardent leur témoignage dans leur ventre. Le jour où vous n'avez pas accouché le témoignage là, ça va devenir quoi dans votre ventre? Témoignage. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Témoignage. On acclame le Seigneur pour ça. De chacun d'entre nous, s'il te plaît. Je veux vraiment me remercier pour ce coup. Il continue de faire toujours. Vraiment, j'ai mis. Il a déversé de l'onction encore. À chaque fois qu'il y a une rencontre, ou bien à chaque fois à l'église, de jour en jour, je vois ça augmente seulement. Donc, je veux dire merci. Merci. Merci encore. Et parce que tu as témoigné. Cette nuit même, le Seigneur vous rend encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen.